Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui l'honneur de l'Artsakh, toponyme d'Artsakh-Eschot, l'identité arménienne, l'Odersin, le soutien du roi syrien Emir Faychal Ibn Hussein aux exilés arméniens rescapés du génocide. Ils veulent réduire en néant le patrimoine culturel des Alevis de Samosat célébration de grand jubilés national en Arménie occidentale. L'artisan folklorique arménien Armin Martapetyan présenta à public listo à la Gertrude Dolassi ici à travers des bijoux. L'Arménie occidentale protège l'Artsakh. Elle protège non seulement le Haut-Karabakh, mais aussi le nord de l'Artsakh, où un nettoyage ethnique a eu lieu entre 1988 et à 1992, avec la prise de la ville d'Artvashen. Protecteur et défenseur des droits de, droit de l'homme d'Arménie occidentale ne considère pas la politique du génocide contre-territoire comme faisant partie du droit international. Par conséquent, l'Artsakh ne fera jamais partie de l'Azerbaïdjan. Plus de 40 villages entièrement arméniens dans les régions de Chamkor d'ache que San e Khanlar d'honneur de, de l'Arts a occupé un ensemble zone, presque de la taille de l'ancien de Karabakh ont été de plan janvier 1990 nous vous présentons les villages arméniens de la région de Chamkor d'ache que San e Khanlar Աբլան, ազատ, սիֆլը, ազատ, աթաբեկ, ալումինստ խուա, բանդեկ, բանանց, բանանց փոքր, բարում, բարսում, բրաջուր, գետաշեն, գետաշեն հելելենդրով, գուլամ բարնագորնոջագիր, խաչակապ, խաչակապ գուշչինսկի, խաչակապի, խաչախբյուր գամո, քիրանց, հաջիգեն, գուշչի արմավիր գոթու, ճրագի ձոր, մարտունաշեն, մարտունի միրզիկ, մուրուդ, նյուսգար շահումյան, օսկանապատ, ճարդախլուչով, դարդալես, սպիտակաշեն պիպ կոմենտեր կարհատ անտեղ կարհատ վերին օջոնիկի ձե Djelmadjoure est une station balnéaire riche en sources chaudes naturelles située une altitude de 2200 à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le nom au terminal signifie littéralement eau chaude. Djelmadjoure est située dans la région de Shahumian occupée par les autorités de Boko. Le mot au thermal signifie l'eau d'un aquifère souterrain ou d'une source qui a une température élevée ou en d'autres termes le minéral chaud provenant de la croûte terrestre. Les Azerbaïdjanais appellent la station so La position apparemment pro-arménienne de Kazelbach, Alevi, Alevi ne pouvait qu'inquiéter les autorités menant une politique anti-arménienne. L'État turc était conscient de l'idée populaire à l'époque. La distance entre les Alevi et les Arméniens n'est pas plus grande qu'une pelure d'oignon. L'accent mis sur l'identité privée de Kazelbach, différente des sunnites, suscitait également l'inquiétude des jeunes turcs qui cherchaient des explications utiles dans le contexte arménien pour lutter contre cette identité. Il est évident que la l'altitude politique du gouvernement envers le peuple à Lévis, Khezobash du Dersim s'est exprimé et au moins depuis 150 ans. Elle s'est exprimée non seulement à partir de l'auto-isolement à Lévi opposé au sunnisme mais aussi à partir du passé privé arménien à Lévi. Il était surtout connu des allévés du Dersim. Dans tous les cas, en 1915, les actes de préparation et d'exécution du génocide contre les Arméniens provoquèrent une grande inquiétude chez les allévés du Dersim. Il y avait une forte conviction que le proche la prochaine étape serait la coercition, sinon les massacres pour renoncer à leur identité à C'était une raison sérieuse pour que la quantité arménienne de la communauté d'Ersim à Lévi soit significativement réduite au moins en 1915 et ne plus en parler ensuite. Aussi bien les Lévis que les Arméniens devenus à Lévi avant le XXe siècle là, avaient intérêt à oublier au plus vite la quantité arménienne de Dersim à Lévi, aussi insignifiant que fut cette quantité arménienne. L'article est complet et disponible sur notre site web. Thank <laughs> you. Après le génocide commis contre les Arméniens, la situation des exilés arméniens arrivés en Syrie était difficile. Ils sont apparus en Syrie à une époque où la Première Guerre mondiale n'était pas encore terminée, où il y avait une famine et où le pays était toujours considéré comme faisant partie de l'Empire ottoman. Dans les événements de cette période de l'histoire, syrienne, Faisal, fille de roi et émir de la Mecque, Hussein Ibn Ali a joué un rôle important. La libération de la Syrie est liée à lui, ainsi que son rôle a été important dans les problèmes d'amélioration de la condition des exilés arméniens. Dès le début, Faychal avait une attitude positive envers les exilés arméniens. Le soutien apporté aux exilés arméniens repose sur des bases solides et s'effectue dans le cadre de la loi et des arrêtés officiels. En 1918, en janvier, l'émir Faysal a rencontré Poros Nubar Pasha à Paris, discutant avec lui des mesures visant à améliorer la condition des émigrants arméniens de Syrie, du Liban et de Palestine et de certaines questions liées aux relations arménien arabes. Dans cette situation difficile créée dans la région, un certain nombre de décisions gouvernementales sont adoptées en Syrie qui contribuent au sauvetage des exilés arméniens et à leur retour dans l'environnement arménien. Parmi eux se trouve 1919, l'autre de Faisal en janvier qui a également été publié dans le journal Atakatum takatoum concernant le retour des femmes, des enfants et des filles arméniennes dans l'environnement arménien. L'article complet est disponible sur notre site web. À Samosata Diaman, où depuis un tremblement de terre s'est produit le 6 février, de nombreuses personnes ont été tuées et blessées. Des milliards de bâtiments ont été détruits et un grand nombre de bâtiments et de structures, y compris historiques et culturelles, ont été endommagés. Veli Bouyouk Shahin, l'un des membres de l'organisation Alevi, Oulian Hazard Health, a décrit la décision du gouverneur envers l'organisation Alevi Health, âgée de 150 ans. Le tremblement de terre s'est produit dans une région densément peuplée d'Alevi où il existe un patrimoine culturel très important appartenant à la communauté à Lévis. Cet héritage nous est parvenu depuis des centaines d'années. Un de ces exemples est Oulian Heatherhurst, dont je suis l'un des fils. Je dois dire avec douleur que ce sanctuaire a été démoli et il y a deux jours. Nous sommes témoins d'un fait que les autorités de l'État abordent notre foi avec des dents et veulent réduire en un le sanctuaire. Ce patrimoine ne doit pas être traité comme une ruine. L'importance historique, culturelle et religieuse devait être. Après le tremblement de terre, nous avons vu des fissures sur les murs, mais les autorités compétentes ont décidé qu'il s'agissait d'une urgence et ont démoli notre sanctuaire avec des engines de construction à grande vitesse. Ainsi, l'héritage de la culture et de la foi laissé par cinq générations a été détruit. En 1912, l'année a encore été déclarée année jubilaire par le décret spécial de catholicos de tous les Arméniens qui Il a été décidé de commencer les événements le 13 octobre 1912 et exactement un an plus tard, le 13 octobre 1913, organiser la clôture solennelle de l'année jubilaire. Il a pris un caractère national. Il a donc été appelé grand jubilé national. Les principaux événements de trois jours de la fête ont commencé le 11 octobre 1913. Tant à Constantinople que dans les provinces d'Arménie occidentale, les fêtes religieuses et littéraires se succèdent. Le grand jubilé a été célébré à Bursa le 25 octobre au Collège national, à Barge le 26 octobre, dans les monastères de Gevork et Platakar. Le comité central de jubilé de Taron a organisé des événements de masse près de la tombe de Saint Sahak, dans les monastères de Saint Translator et Saint Carapet et dans différentes parties de la ville. Au cours des événements, il a été décidé de collecter des fonds pour le développement de la presse. Périodique de sa saison. À l'occasion de ce jubilé mémorable, Comitas avait préparé un enregistrement de la chanson, OK, les magnifiques talents qui devaient être imprimés et vendus tout au long de l'année. En 1912, pendant les jours de jubilé, 2500e anniversaire de l'invention de l'écriture arménienne et de 400e anniversaire de l'imprimerie arménienne, des publications présentant l'histoire de l'écriture et de l'imprimerie arménienne ont été publiées dans différentes villes. En 1913, le soir du 13 octobre, à l'occasion de la clôture de l'année jubilaire, la chorale mixte Goussan de Comitas, composée de 200 personnes, s'est produite au théâtre Les Chiquis à Constantinople. La presse d'Arménie occidentale a mis l'accent sur le concile des deux jubilés et a couvert les événements en détail. Tatevik Rothaktiens, chercheur de HCTI. L'exposition intitulée Silici de joaillier, artiste, sculpteur, armé, Vartapetian comprend plus d'une cinquantaine d'œuvres, bijoux en argent, sculptures, dessin. Les amateurs de curiosité peuvent se familiariser avec des œuvres uniques et originales en visitant le musée d'histoire d'Elevent jusqu'au 7 avril. Dans une conversation avec le correspondant de Armen Press, Varta dit qu'il a créé la collection inspirée par les œuvres des peintres miniatures de l'école silicienne Toros Roslin et Sarkis Pitsak. L'un des objectifs de la collection silici est de parler de la silicie. L'art et la culture arménienne se sont développées à cette époque, mais peu de choses ont été préservées en raison des invasions et des guerres. Les bijoux ne font pas exception. Les bijoux ont été culés dans temps, mais les impôts ont été payés, rencontre l'artiste. L'Arménie occidentale considère cette initiative importante car aujourd'hui, plus que jamais, il est important de montrer l'art et la culture de la Silicie, prouvant ainsi une fois de plus l'Arménie les droits des Arméniens de cette région. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.